Le Labo Sonore présente Le Théâtre de l'Horreur. Une histoire pour les oreilles. À la bibliothèque de Bohain en Vermandois, dans le cadre du festival Live entre les livres. Notre histoire commence un jeudi à l'école Berthelot. Aujourd'hui, c'est la fête de l'école. Tous les élèves sont invités au théâtre pour voir un spectacle. Le spectacle est super cool et très marrant. Il y a une ballerine qui joue de la guitare, des clowns qui dansent et des musiciens qui jonglent. Lily, une petite fille de 6 ans et demi, est émerveillée par le spectacle. Lorsque le spectacle est fini, Lily ne repart pas avec sa classe. Elle se cache et se faufile pour aller voir ce qui se passe dans les loges. Tout d'un coup, la lumière s'éteint. Elle flippe. Elle court vers la porte en se cognant dans la tisselle. Malheureusement, la porte est fermée à clé. Soudain, elle entend un bruit. Elle se retourne et elle voit une forme étrange sur la chaîne. De peur, elle court, elle monte un couloir, elle descend l'escalier et elle ouvre la porte de la costumerie et tombe nez à nez avec un masque de clown tueur. Elle se retourne et voit un loup-garou. Elle prend les jambes à son cou et sort de la pièce en criant. En courant, elle se cogne et tombe en arrière. Elle entend une douce voix. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'est la voix de la ballerine qui l'avait tant émue pendant le spectacle. Une histoire écrite par Timéo, Blanche, Johan, Clément, Ethan, Valentin, Rayleigh, Maëlie, Louise, Marie-Malice, Inima, Sven,